dans cette atmosphère, dans ce lieu magique à Marseille, tout ce qu'on ressent, c'est une énorme énergie. On ressent beaucoup de bienveillance. Et dans une soirée comme celle-là, moi, j'invite le plus grand nombre à venir parce que ça donne envie de donner et de donner pour une noble cause. Bah, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Une telle soirée, ça permet de continuer à développer l'image de Pure Océan, de continuer à parler de cet engagement. Pour nous, Banque Populaire Méditerranée, c'est l'occasion de convier des clients à cette soirée et de les sensibiliser également à cette magnifique cause. Et puis, c'est aussi, disons-le, l'occasion de récolter des fonds pour aller encore plus loin dans les démarches. C'est l'idée de partager cette vision qu'on a de la préservation indispensable des océans. Donc on invite quelques personnes, soit de notre équipe, soit de notre écosystème, pour les faire adhérer ou comprendre simplement les enjeux qui sont liés à la mer. Je vis ce soir un rêve absolu. Et tu me permets de vous dire, alors évidemment, vous êtes des Pure Ocean Lovers for life. Que votre soutien à vous, il est indispensable au financement des projets scientifiques que soutient Pure Océan. Alors grâce à vous justement, on a réussi à soutenir, vous savez, 28 projets scientifiques partout dans le monde. Et cette année, on a financé 7 nouveaux projets scientifiques. Il y a évidemment une phrase de Saint-Exupéry que j'adore. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci encore à vous tous. Le maillot dédicacé par Zidane. Dernière chance. Félicitations. Encore merci à tous pour votre engagement.